Jodi a fait exactement yon mois depuis moi installé dans tête ministère haïtien qui vive à l'étranger. Moi t'ai pensé li important pour me rencontrer nous dans jour ça d'autant gain yon ensemble événement qui passait dans intervalle temps ça. Jean nous connaît déjà samedi qui était 14 d'août passé, la terre a tremblé dans pays d'Haïti et puis fait gros dégâts dans grand site là. Sous leadership Dr. Ariel Henry, gouvernement adopté mezi et puis posé diverses actions pour porter secours à victimes. Dans niveau panneau comme ministre diaspora, nous t'ai d'abord pris quelques mezi pour permettre diaspora joindre information sur proche yo qui vivent dans zone cible là. Par exemple, nous réactiver cellule Mavale Koute là, côté nous t'ai décrété en permanence pour permettre diaspora gain information sur situation dans grand site là. Ensuite, nous t'ai préparé et puis voyer by principal organisation yo dans diaspora, yon note côté nous expliquer au clairement, c'est seule protection civile comme institution l'état qui gain charge coordonner et gérer aide pour victimes yo. Enfin, sous instruction Premier ministre, nous avons organisé une rencontre par visioconférence avec plus de 100 représentants d'associations et fédérations dans la diaspora. Une façon pour nous mettre campé, un sous-comité cap gain représentant le comité multisectoriel cap gain pour assurer gestion et coordination aide pour victimes. C'est dans ce sens que jodi a nous en mesurant public yon dizaine organisation dans diaspora qui formé sous comité ça. Y a bien pour yon choisir représentant y a voyé dans comité multisectoriel là dans jour k'ap vini là. Organisation ça yo désigné sous base représentative yo, secteur intervention yo et puis sens initiative yo. Mais non organisation qui forme sous comité ça. Coalition of Asian Diaspora Organizations, CODA, Fondation Zile, SOS Haïti Chili, Intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti, Asian Diaspora Resources Worldwide, Association des médecins haïtiens de l'étranger, Fédération haïtienne de la diaspora, Réseau national des élus haïtiano-américains. Voilà organisation qui a bien pour former sous-comité. N'a continué discuter avec eux sous modalité pour désigner représentant qui a fait partie comité multisectoriel là. N'a demandé association diaspora yo continuer mobiliser force yo pour porter solidarité aux victimes tremblement et tempête tropicale qui frappait grand sud pays. N'a profité signaler pour tout monde si une organisation ou bien une association dans diaspora veut porter bourade by population dans grand sud là, gagne une liste besoin gouvernement déjà préparé pour acheminer liste ça déjà by toute organisation dans diaspora.